And just because you see a black man driving in a nice car, does not mean it's stolen. I stole that one, but not because I'm black. Ouais, yo, il est trop chaud en anglais, il est trop chaud en tout en fait. Donc, dire en tout. How many coins of 1 euro do you need to fill the Eiffel Tower? What? I don't. I have understand. I need people to understand that if I text you H-E-H-E, it's not it's it is not it's Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous à 14h30. Il est 14h, monsieur. Oui, je sais. Eh ben, vous êtes en avance. Bah oui, oui, je sais, oui. Eh ben, vous allez attendre, monsieur. Bah oui, je vais me mettre dans la salle d'attente. Oui, vous allez vous mettre dans la salle d'attente. Bah oui, c'est à ça que sert une salle d'attente. Bah oui, vous allez attendre en salle d'attente. Je sais, bah ça me dérange pas. Oui, mais en attendant, le rendez-vous, il est à 14h30. Oui, d'accord. Bah oui, mais c'est idiot. Bah pourquoi? Bah parce que le docteur, il a personne là. Donc du coup, si vous attendez, vous attendez pour rien. Ah mais il reçoit personne là. Bah non. Ah donc il peut me recevoir en avance. Bah non, le rendez-vous est à 14h30. Bah oui, mais s'il a personne. Oui, mais le rendez-vous est à 14h30, c'est pour ça que c'est idiot, parce que si vous êtes en avance, vous allez attendre et lui aussi dans son bureau. Mais c'est complètement débile. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est important d'être à l'heure, monsieur. Mais si le docteur, il a personne, il peut pas me recevoir à 14h. Bon, monsieur. Quoi? Il est à quelle heure votre rendez-vous? À 14h30. Et là, il est 14h. Voilà, donc vous êtes pas à l'heure à votre rendez-vous. Bah oui, mais si le docteur, il a personne, je peux le voir avant. Mais non, monsieur, parce qu'il est pas 14h30. Mais on peut décaler le rendez-vous. On peut prendre le rendez-vous là et se dire qu'il est à 14h finalement. Hein? Mais comment? Mais sur le logiciel, c'est marqué 14h30. Et bah déplacez-le. Mais je suis pas sûr de pouvoir Vous pouvez le faire. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off. Make out like it never happened, and now we were nothing. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Why do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. And last question, do you know who is the English Prime Minister? Yes, I am. Pour 100 euros, tu me gifles ou pas? Quoi? Genre là, si un mec il arrive, il te donne 100 balles pour que tu me gifles parce que tu. Mais tu fais quoi là? Non, mais je voulais juste voir la sensation avant de répondre. Et du coup? Bah, franchement, pour 100 euros, je te gifle bien la gueule. Bah, c'est sympa l'ambiance. C'était quoi ce bruit là? Et bah, ce bruit, c'est notre pote qui accepte de me gifler pour 100 balles. T'es sérieux? 100 balles, ouais. On est d'accord, c'est abusé. Bah, de fou. Tu vois, tout le monde n'est pas comme toi, Mathieu. Ouais, tu me donnes 5 balles, je te flèche ton oncle. Certaines personnes sont bien pillées. 5 euros. 2 euros. Bien. Pour 2 euros, ouais! 2 euros, c'est une canette. Mais frère, en même temps, tout le monde te gifle pour 100 balles. Ne l'écoute pas, mon fils, tout le monde ne te gifle pas pour 100 euros. Papa, qu'est-ce que tu fous là? Je dors sur ton canapé depuis 2 semaines, mais c'est pas la question. Tu es mon fils, je t'aime, et jamais je ne lèverai la main sur toi, même contre. Ah, voilà! Je vais vous prouver qu'il reste des gens bien, moi, vous allez voir. Beaucoup droit, en tout cas. J'ai fait du tennis pendant 2 semaines. Allô, oui? Oui, maman. Oui, est-ce que si quelqu'un donnait de l'argent, tu me mettrais une gifle? Non, mais bien sûr que non, mon poussin, tu es mon fils unique, je t'aime, et jamais de la vie, je ne te frapperai. C'est 100 euros, madame! Combien vous avez dit? 100 balles! Ah, oui, quand même. Non, maman, allô? C'est 100 euros, mon poussin, désolé.
do it. Sooner or later, you. I wanna be the person you do, you do, you do, you do. Dirty mind, dirty mind. Alors j'étais sur Instagram. Non, c'est pas Instagram, c'est Instagram. Ouais bref, c'est la même chose. Mais du coup, il y avait une meuf qui était habillée qu'avec des vêtements de Primark. Non, 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 c'est pas Primark, c'est Primark. Ok, so tu fermes ta gueule ou je te donne une gifle avec le pomme de mon main. My little sis is watching Peppa Pig at full volume and not giving me any space to record this. But anywhere. Stop saying I'm watching Peppa Pig! I'm a big girl! No, you're not, you're tiny! I'm massive! Leave me alone! Did you just call yourself a fat pig? I call myself a big woman. What? You're an idiot! Big woman? You're an idiot! When you're filming for your friends to get famous! Ew! I'm not filming for my friends to get famous. You're filming for you to get famous. And anyway, Peppa Pig's the best of mind your own business. I thought you just said you don't watch it because you're a big girl. Well, life changes. And anyway, what, in 10 seconds? Yeah. And anyway, when I watch it, it's so good. Glad you like Do you like George? Yeah, he's my favorite. Yeah, I have a crush on him. Favorite child? Ooh. Ah. Ouch. Sorry, man. This is awkward. What the what? Really? This moment is so much bigger than me. I would like to thank my parents and my manager. Shit, I might tell him COB. Really?